l'orée de cette nouvelle année qui s'approche à grands pas, je voudrais souhaiter à tous les acteurs de la communauté universitaire, que ce soit les étudiants et étudiantes, le personnel administratif, technique et de service, les enseignants et enseignantes, une excellente année faite de santé, de réussite et d'épanouissement pour chacune et chacun. Que la nouvelle année voit se réaliser tous nos objectifs de vie, tous nos objectifs de carrière, et que Dieu nous accorde le meilleur. Que les défis de l'institution universitaire soient relevés, qu'on essaie les problèmes de l'institution, que nous ayons davantage d'enseignants, que nous puissions disposer de plus d'infrastructures pédagogiques pour assurer un meilleur encadrement pour nos apprenants, et que ces apprenants, en arrivant sur le campus de nos universités, y arrivent avec beaucoup d'enthousiasme, avec la garantie que ce milieu va être pour eux porteur de réussite. Que nos autorités de tutelle, notre ministre et tous ses collaborateurs, nos autorités gouvernementales puissent aussi jouir d'une bonne santé, et que par l'occasion, elles puissent mieux accompagner l'université en général et l'UAC en particulier dans sa mission de formation de ressources humaines de qualité, d'accompagnement et de développement de notre pays. Les chantiers classiques, vous les connaissez, c'est assurer un encadrement de qualité à nos apprenants, donner l'occasion à l'ensemble du personnel, qu'il soit enseignant ou non enseignant, de pouvoir travailler, de pouvoir exercer son métier dans les meilleures conditions, permettre aux étudiants à travers leurs organisations de mieux s'impliquer dans la vie de l'institution, de mieux vivre à travers leurs organes particuliers, et surtout que chacun se sente en famille. Et que quels que soient les problèmes que nous aurons à régler, que le dialogue soit notre arme favorite, et que nous nous mettions en tête qu'il n'y a pas de sujet tabou. On peut discuter de tout, même si on n'est pas d'accord sur tout.